Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 5 mars 2021, direction l'hippodrome de Laval pour le prix Querido 2, troisième course de la Réunion 1, où 16 trotteurs âgés de 7 à 10 ans en découdront aux alentours de 17h30. L'an dernier, c'est le génial et courageux Destin Carizet qui s'imposait lors de cette course lavalloise concourue sur le parcours des 2850 mètres. Une fois encore, les plus jeunes semblent tenir la corde lors de ce tournoi pour chevaudage. Théoriquement, notre favori devrait mettre tout le monde à la raison. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 3, Enzo Dessart. Il est un bon favori avant coup, même s'il faut toujours rester prudent. S'il répète son dernier succès obtenu à Vincennes, méfiance. En deuxième choix, le numéro 7, Electra du Vivier. Elle vient de faire sensation en s'imposant plaisamment sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Si le parcours lui est bon, elle peut rééditer, même ferrer. En troisième choix, retrouvons le numéro 15, Désir de Banne. Beaucoup de capacité pour ce pensionnaire d'Hervé Sionneau qui avait montré beaucoup de classe en tout début de carrière. En quatrième position viendra le numéro 9, Dexter Desbeaux. Franck Leblanc n'est pas négatif concernant sa candidature et espère tout simplement le voir renouer avec les bonnes performances ici. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 13, Caviar du Vivier. Il apprécie les pistes plates et vient très bien se comporter dernièrement. Avec Eric Raffin aux commandes, il est capable de jouer un premier rôle. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 2, Caucasien. Il est confié à Mathieu Abrivard pour la circonstance, ce qui devrait lui permettre de jouer l'une des 5 premières places ici. En avant-dernier choix, le numéro 8, Charmante Fierté. Il ne faut pas l'oublier au moment du choix, car elle peut encore espérer terminer à l'une des 7 premières places payées. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 10, Clovis Montaval. Avec Johan Le Bourgeois et Déféré des 4 pieds, attention à lui pour une 5e place à cote très amusante. En cas de non partant, le numéro 16, Brooklyn Blue, avec l'aide de Clément Fressel, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Top Prono et Turf Sélection indiquent tout simplement le Quintet Plus dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.